On va avoir un temps d'étude où il nous est dit dans Shemot au chapitre 35 et le verset 1, Vayakel Moshe et Kal Adat Bnei Israël. Moshe convoqua, égal dans le sens de rassembla plus exactement, toute l'assemblée des enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a d'important ? Je suis sûr que si vous en faites une première lecture, vous n'allez rien voir d'important. Vayakel, pourtant, est le premier terme qui inaugure cette paracha, et ça signifie « il fit rassembler ». On peut se poser à partir de là la question « dans quel but rassembler ?» C'est vrai que des rassemblements, ce n'est pas ça qui manque, en règle générale. Mais si on se pose la question dans quel but rassembler un peuple, le mettre face à face, lorsqu'il est sûr, ce n'est pas pour faire un discours dans ce cas-là. Vayakel nous fait sortir des discours et des discoureurs, des théories et de toutes sortes de choses qui pourraient être comme cela. Il y a quelque chose de beaucoup plus, je dirais, profond, afin d'appliquer ce que Hachem a ordonné. Et là, ça change tout le sens. On peut être rassemblé pour faire un débat. On peut être rassemblé pour essayer de prier ou faire ceci et faire cela. Et là, la particularité, c'est que ça n'a plus rien à voir avec ça, avec ce que l'on a l'habitude de connaître, mais dans le but d'appliquer ce que l'Éternel a ordonné. Pas à demander. Pas. Voilà. Je sais qu'on est au XXIe siècle avec beaucoup de théories et également un manque d'écoute totale. On entend, mais on n'écoute pas. Et la pratique laisse à désirer. Le comportement, parfois, est lamentable. Et je dirais que c'est parce qu'on n'applique pas. On n'applique pas ce que Hachem dit. Alors, on a des principes moraux, on a des principes sur d'autres plans, mais il y a des choses qui ne sont pas du tout appliquées. Et c'est ce qui nous amène à comprendre, quelque part, qu'il y a la construction du Mishkan à ce moment-là, et qui nous indique, au travers de pas mal de choses, la manière dont on doit construire la maison de l'Éternel et sa propre maison. C'est à double sens. Construire sa maison, c'est construire sa propre maison. Alors, qu'a-t-il ordonné l'Éternel ? C'est la véritable question qu'il faut nous poser, parce que nous voyons qu'il rassemble pour appliquer ce que Hachem a ordonné. Qu'est-ce qu'il a ordonné ? Qu'est-ce qu'il a ordonné ? Il a ordonné quelque chose qui peut surprendre, parce que la première chose qui est relevée, mentionnée, c'est qu'il évoque la question du Shabbat. Alors, en même temps, il nous faut comprendre que la particularité dans Vayakel, qui se modifie des autres parachats qui ont été donnés les semaines précédentes, c'est que là, nous sommes dans une construction technique. En plus de celle des objets, il va y avoir quelque part des choses différentes. Alors, il y a une notion qu'il nous faut retenir ici sur la question du Shabbat. Qu'a-t-il ordonné pour Shabbat ? Un libre service à la carte, en fonction de sa pensée, ses opinions, de l'adaptation de son mode de vie, et on s'adapte à Dieu ensuite. Shabbat, c'est Shabbat. C'est quelque chose que nous devons comprendre que tout le reste va dépendre de Shabbat. Alors, je sais que, pour des juifs comme des non-juifs, parfois, cette question est cruciale. Parce que beaucoup, parfois, dans les partages que je peux avoir, suis-je obligé de faire le Shabbat dans la conformité ?
Le Mishkan a été construit. Dieu ordonne, rassemble. Première chose qu'il pose, c'est la question du Shabbat. La première chose à savoir, c'est de savoir si le Shabbat est un jour de sanctification ou pas. Et quelle est la signification que l'on veut donner ? Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est vrai que cette question, elle dérange beaucoup de gens parce qu'elle peut modifier le mode de vie, les habitudes et bien d'autres choses d'ailleurs. Ce que Dieu nous demande dans le Shabbat, c'est de respecter son nom. Et on va aller un petit peu plus loin parce qu'il nous faut saisir le sens profond en même temps de ce jour. Le Shabbat, quand il a été enseigné par les sages d'Israël, il doit obligatoirement nous sensibiliser. Ce n'est pas une question qui est moderne, c'est une question qui est très ancienne. La pratique du Shabbat a toujours fait partie du peuple d'Israël et elle a toujours été, je dirais, quelque chose d'important dans tous les écrits. Alors, les sages d'Israël définissent ainsi le Shabbat parce qu'il est dans l'origine de Bereshit, au commencement, Bereshit au commencement. Et nous savons que le Shabbat, c'est le septième jour. Ce n'est pas simplement pour faire une religion, c'est le septième jour de la création. En même temps, nous commençons à comprendre que c'est également ce qui va amener la construction du temps, la sanctification du temps. C'est-à-dire tout va se caler sur ce jour, sur ce septième jour. Si nous n'avons pas compris la chronologie prophétique divine, si nous ne comprenons pas les temps de Dieu, si nous ne comprenons pas la permanence et le olam et toutes ces choses, alors c'est l'une des raisons pour lesquelles nous passons à côté de Shabbat, parce que nous n'avons pas compris la construction du temps. Et la sanctification du temps. En même temps, au commencement des temps. Voilà ce que disent les sages dans un premier temps. Ce qui est fondamental est ceci. Et donc, le Shabbat, en même temps, fait partie de ce qui a constitué, et ça c'est beaucoup moins connu dans la pensée occidentale, c'est la division du temps. Tout s'est divisé en temps, en jours, en mois, en années, en semaines. Et tout est basé, organisé et lié sur le septième jour. En fait, c'est le septième jour qui délimite tous les autres temps. Tout a été construit là-dessus. Et c'est pourquoi ce septième jour est fondamental. Alors après, je dirais dans un premier temps, chacun va se sentir libre de faire ou de ne pas faire. Mais à un moment donné, il nous faudra de la cohérence. Il nous faudra quand même une application. On ne va pas rassembler, mais j'aimerais qu'on puisse aujourd'hui rassembler pour appliquer. Rassembler pour appliquer et non pour se sentir non concerné. Et je dirais que c'est le seul jour de la semaine qui est béni. C'est le seul temps qui reçoit une bénédiction. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir le vivre sans être dérangé. C'est pourquoi on a dit que le Shabbat est le pilier du temps. Donc, pour aller plus loin, après cette précision du Shabbat, il nous faut comprendre que tout le reste va se construire dans les temps de Dieu et qu'il va y avoir un certain nombre de choses qui vont se mettre en place puisque le Mishkan est particulièrement un enseignement divin. Le sens
de ce rassemblement par rapport à ce temps qui est le Shabbat, il nous est dit que Betsalel et Oliav et tous les hommes habiles, écoutez bien, et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse, de l'intelligence pour savoir et faire. Ils exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Alors, nous avons maintenant une compréhension. Le Mishkan va se construire, effectivement, dans quelque chose qui ne sera plus limité dans le temps, puisqu'il deviendra plus tard le temple d'Israël et le temple de la fin des temps. Et tout ceci nous amène aussi à comprendre qu'il y a des particularités à avoir. Dieu a mis, mais il cherche aussi en qui il va mettre la sagesse et l'intelligence. Pas naturelle, pas celle qu'on développe habilement par des formes de manipulation parfois, ou d'autres choses par des moyens que l'homme utilise. Mais il nous faut savoir exécuter des ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon les normes divines. On ne construit pas selon ces normes. Et je dirais que si vous voulez construire votre propre maison dans votre propre intérieur, c'est quelles normes que vous allez utiliser. Et c'est ce qui va faire la différence. Et c'est ce qui va faire qu'il y aura peut-être un Mishkan intérieur non fini, mal édifié, pas dans les bonnes mesures, pas dans les bonnes proportions, pas dans les bons matériaux, etc., etc. Qu'est-ce que ça va donner? Je vous laisse deviner. Alors, il nous faut préciser quelque chose au niveau de la traduction, parce qu'il est dit précisément que Betsalel et Oliav, et là, on est littéral, il nous est dit que Betsalel et Oliav est chaque homme sage du ou de cœur en qui l'Éternel put mettre sagesse et compréhension. Sage de cœur. Sage de cœur. Vous savez, aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un monde de folie et que même ceux qui se disent croyants fonctionnent comme dans un monde de folie. Ils ne fonctionnent pas. Ils ont des croyances, des machins, des principes, c'est bien, mais il y a quelque chose qui manque aujourd'hui et qu'il nous faut impérativement retrouver. D'où va Yaquel ? Il rassembla parce qu'il y a quelque chose de plus à réaliser et à comprendre. Et c'est ce que le Seigneur va nous dévoiler dans le secret, parce que ça va changer énormément de choses. Notamment, le sens de la lecture va nous amener, parce que nous avons vu tous les hommes sages de cœur. Tous les hommes sages de cœur feront. Alors, ça m'a obligé de passer en revue. Et j'ai dit, où sont les hommes sages de cœur aujourd'hui? Des hommes qui ont des idées, il y en a, qui ont des projets, des critiques, qui voudraient faire ci, qui ont des désirs, etc. Il y en a plein. Sages de cœur, je me suis dit, là, il y a une vraie question. Feront. Alors, on peut dire aussi que tous les hommes sages de cœur, dans la traduction juive, signifient également viennent et accomplissent. Et c'est vrai qu'on a deux noms. Quand j'étais à Genève, j'ai beaucoup développé sur le mystère du nom de Betsalel et ce qu'il signifie, c'était Valiana était présente. C'était quelque chose de très particulier que les gens ont découvert, qu'ils n'avaient jamais entendu. Parce que c'est un enseignement aussi d'une grande profondeur dans lequel on va entrer. C'est en fait ce qui va nous dévoiler
la véritable mission de l'être, ce qui veut dire sa véritable identité. Quand on parle du Mishkan, on parle d'une identité qui n'est pas une identité de naissance en Égypte. On parle d'une identité nouvelle qui est celle de la sortie de l'Égypte. Et il nous faut construire cette identité non sur les bases de tout ce qui a pu être lié à ce passé, à l'esclavage en Égypte, de tout ce qui a tenu mentalement, affectivement et autres liés, et que l'autre niveau, c'est le monde où on se délie. Simplement, il faut le vouloir. Et en même temps, il faut accepter les règles et les normes que Dieu a mis en place pour les être délivrés. Autrement, on reste toujours dans ce qu'on a été. Alors, on améliore peut-être des points. On peut augmenter peut-être dans certains domaines. On peut avoir compris certaines choses à ne plus faire, mais ça ne veut pas dire délivrer. Et je crois qu'il y a quelque chose où il nous faut aller plus loin, c'est connaître sa véritable mission. Très souvent, les gens cherchent et disent « je cherche la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour moi ?» Alors c'est souvent en rapport avec le vécu immédiat, et c'est sans la réflexion du futur, sans la compréhension même de ce qui est à faire. Et c'est pourquoi Dieu a donné un modèle à Moshe, à l'avance, avec précision, pour que ce modèle soit réellement répercuté dans le présent, mais qu'il touche tous les temps. En même temps, sa véritable identité peut signifier également devenir soi-même. Quand j'étais dans les études, il y a eu un moment donné où on a dû aborder dans quelque chose qui était dans la théologie pastorale. Quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est au travers d'un prof qui disait « De toute façon, le monde est comme un spectacle. Il y a le personnage et la personne. Et les gens sont plus dans le personnage que dans la personne. » Et c'est pourquoi il y a une recherche aussi de l'identité. Parce que on cherche à plaire à l'autre, on ceci et cela. On est un personnage et on n'est pas une personne. On n'a pas une identité propre. Et ce qui crée beaucoup de problèmes à l'heure actuelle, c'est le fait d'avoir perdu cette identité propre et finalement de ne pas savoir vraiment qui on est. Qui on est, en hébreu, dans la pensée juive, peut signifier ne pas savoir pourquoi je suis là sur terre. Qu'est-ce que je dois faire ? Pas obligatoirement ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse sur cette terre ? Quelle est ma mission ? Je suis un croyant, c'est bien, mais quelle est la mission ? Est-ce que c'est simplement chanter, faire quelques prières, se comporter mal et puis demander pardon, ou essayer d'être branché comme ça l'est à l'heure actuelle que sur une certaine vague sur laquelle on surfe et puis hop, elle passera. Il faut connaître. Se connaître soi-même, c'est pourquoi on parle de, en hébreu, on parle vraiment de l'être véritable. L'être véritable. Et on ne parle pas de simplement de quelqu'un qui a des désirs, des espoirs ou qui attend patiemment que Dieu le délivre dans 50 ans, ou qu'il y ait ci ou qu'il y ait ça. C'est une implication, d'où le fait de comprendre Vayakhel. Parce qu'on va commencer à aller un peu plus loin, et il faut retenir un peu ces bases, que le Mishkan, qui se construit dans l'extérieur, construit son intérieur. Dans les moindres détails, dans les moindres détails. Et c'est pourquoi, à la fin, il y a eu la nuée, la gloire, la Shrina de Dieu qui a rempli le Kavod de Dieu, qui a rempli le Mishkan, parce que c'était dans la conformité. Or, on veut souvent quelque chose de très fort de la part d'en haut, sans être dans la conformité. Sachez que ce n'est pas compatible. Alors, peut-être que je déçois, peut-être que j'agace, peut-être que ça vous reprend. Eh bien oui, c'est le but aussi.
Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre le sens de la conformité à la Torah, aux prescriptions divines, et pas toujours les discuter intellectuellement, pour échapper à la pratique. Ce qui est très souvent le cas. Alors, connaître finalement sa mission, son identité, est quelque chose de fondamental parce qu'on va devenir soi-même un modèle, un Mishkan pour les gens. Ils vont voir comment on est construit. Et c'est vrai que quand je vous regarde, il y en a qui sourient, mais c'est vrai que je vois comment on est construit. Hein. Et je me dis, aïe, 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 il y aurait besoin de rénovation. Pas du ravalement de façade. La rénovation intérieure. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le Mishkan résidera la Shrina. Ça deviendra un lieu de sa présence. Et on va trouver dans la deuxième partie qui constitue la paracha de cette semaine, vous savez, c'est Vayakhel et Pekoudé. Et dans la deuxième partie de Pekoudé, qui finalise les contes. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport ? Ben, c'est très intéressant. Il finalise par les contes, Pekoudé. Qu'est-ce que révélait l'essence même du Mishkan ? En lien avec le fondement de la création, et c'est ce qui va nous amener à devenir véritablement un véritable temple de l'Éternel. Ceci nous est révélé, et je crois que on l'a abondamment entendu, vous l'avez certainement plus qu'entendu dans le passé avec d'autres, dans ce que Shaul de Tarse dit, quand on le reprend vraiment dans sa pensée rabbinique, alors là c'est autre chose. Parce que Shaul de Tarse dit, et nous donne aussi la compréhension de tout ce qui a été dans la conformité. Il dit quoi ? Il écrit, en lui, c'est-à-dire le Messie, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Première chose, dans le Seigneur, en lui, le Messie, il dit bien en lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en souffle de vie, littéralement. Le sens dans le grec veut dire que nous sommes ensemble en cours de construction. C'est-à-dire que nous ne sommes jamais achevés, mais que nous devons toujours travailler pour devenir achevés. Même à la fin de sa vie, peut-être qu'au moment de son départ, on ne sera peut-être pas totalement achevé. Mais en tout cas, on aura beaucoup avancé. On aura beaucoup avancé. Et c'est ce qu'il faut faire. Le grec nous amène justement, dans cette terminologie, à comprendre que on doit l'être, mais que c'est en cours de construction. C'est pourquoi les choses doivent toujours être remises en place. Alors si on entre dans plus de profondeur, il nous est enseigné ici, au travers de Shaul, de Tarse et Moshe, un grand mystère. Il nous est dit que lorsque Dieu créa l'univers, en fait, il le fit sur trois dimensions. Et c'est un des piliers. Trois dimensions et sur la base, fondement de la racine Svar. Svar a donné le Sefar. Sefar a donné Sefer et Sipur. Svar veut dire conte. Et il nous dit comment Dieu généra par la parole, c'est-à-dire par le Sipur qui veut dire l'écriture, le Sefer par les nombres et Sefar par les formes. Et nous devons comprendre qu'il y a des fondements, même dans la création, que Dieu a achevé, mais en même temps, au travers de la mission qu'il avait confiée à l'homme, la création était en cours d'achèvement. Elle n'était pas finalisée tant que l'Adam n'avait pas pris l'arbre de vie. Mais il a tout faussé en prenant l'autre arbre. Et c'est une chose sur laquelle nous devons fonder nos vies.
Nous devons fonder nos vies sur la compréhension de ce que veut dire le Sefer, le livre, de ce que veut dire également, à un moment donné, les choses de manière plus profonde. C'est ce qui va donner maintenant tout le sens à notre paracha, Vayakhel et Pekoudé, parce que les deux rassemblés ensemble, Vayakhel et Pekoudé, ça va faire, elles sont les 22e et 23e paracha, lecture hebdomadaire, et ça donne le chiffre 45. Et le chiffre 45, vous savez ce qu'il signifie ? Ça ne vous intéresse peut-être pas, mais je vais vous le donner quand même. Il veut dire Géoula, délivrance. C'est pourquoi Vayakhel se différencie. À partir de Vayakhel, tout va se différencier par rapport aux autres parachas qui étaient une autre forme de construction pour arriver jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui délivre et qui donne l'identité à l'être, la mission à l'être. Et c'est pourquoi Betzalel et Oliav sont mentionnés. Alors c'est la valeur, c'est vrai, de la délivrance qui sera également la délivrance finale quand Dieu instaurera son malchut. Mais en même temps, il nous faut comprendre que le chiffre 25, c'est aussi celui de l'Adam. Mais l'Adam, c'est l'être véritable dont le but est normalement de rétablir l'unité en devenant un Mishkan, c'est-à-dire une habitation qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas du Olam Hazeh, qui ne fonctionne pas, qui n'a pas les normes d'ici-bas, qui ne fonctionne pas comme, je dirais, tout le monde fonctionne, et sur lequel tout le monde s'aligne sur les fonctionnements. Et c'est là qu'il nous faut rentrer dans la compréhension du Olam Haba, le monde futur, le monde d'en haut, ce qui n'est pas de ce monde, ce qui n'appartient pas à ce monde, ce qui est basé sur des nouvelles lois numériques, ce qui est basé sur les nouvelles lois de la création et de la construction de l'homme, du dernier Adam, dans lequel nous nous identifions et qui nous amène à devenir une nouvelle humanité et de ne plus être dans la forme de fonctionnement d'une humanité déchue. Nous le révélons tous les jours au travers du caractère, du comportement, de nos paroles, de nos attitudes. Nous révélons que nous n'appartenons pas encore suffisamment au monde d'en haut, que nous ne sommes pas suffisamment encore identifiés à véritablement Yeshua. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas la croyance en un dogme, ce n'est pas les convictions doctrinales, si vous préférez, qui vont vous donner quelque chose de concret. Absolument pas. Absolument pas. C'est l'implication. Et l'application. À partir de là, la Torah, au travers de Shaul de Tarse, nous amène à comprendre qu'il nous faut être séparés. Et c'est ce que l'on veut dire également par la sortie de l'Égypte pour aller à Dan Shavuot. Lorsqu'on veut construire l'être véritable, il faut quitter le Olam Hazeh, le monde d'ici-bas, le fonctionnement, et entrer dans ce que le temps de l'Homère nous amène à comprendre dans l'identité véritable, à construire un homme neuf, et pas simplement une croyance neuve, mais quelque chose qui nous sépare. Et être séparé nous amène à véritablement approfondir l'enseignement de la Torah, qui a quelque chose de très profond pour construire un Mishkan intérieur personnel. Et je dirais, voilà, maintenant le défi est lancé pour tous, individuellement comme collectivement. Et c'est vrai que nous devons nous poser également la question de savoir quelles sont les règles que nous appliquons. Comment nous appliquons les règles ? Comment nous appliquons les règles de l'alliance de Mashiach ? En même temps, comment nous établissons les fonctionnements ? Alors, on va entrer dans le concret. Nous avons lu que tous les sages de cœur viennent et accomplissent. Et ça donne le vrai sens
de quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y a se construire et ceux qui vont aider à construire, ceux qui vont agir. Les sages de cœur est une notion très particulière dans la Torah, dans la Bible et dans l'enseignement d'Israël. Parce qu'elle nous amène à comprendre que cette notion de construction sera faite des matériaux de notre vie. Et ça peut se traduire également par une chose qui vient se superposer, c'est veiller à être sage de cœur. C'est-à-dire apprendre à se laisser diriger par la sagesse et non par la folie, non par la colère, l'énervement de l'instant, les pulsions. Voilà les fonctionnements. Voilà comment les gens réagissent. C'est vrai que des fois, je suis attristé d'entendre la réaction des gens pour rien du tout. Mais pour rien, pour rien, pour rien. C'est presque scandaleux sur rien. Et je me dis, mais où on va? Où on va? Et il y a quelque chose qui est incohérent, totalement. Il faut apprendre à se laisser diriger par la Rochma, la sagesse divine. Et elle va toucher nos émotions, nos sentiments, elle va toucher notre vie. Pourquoi ? Pour nous amener à un équilibre total. Si nous nous laissons diriger selon les principes de notre folie, alors à ce moment-là, nous allons écouter tout ce qui est non-sens en soi. C'est le sens hébreu. Si nous écoutons la Rochma, elle nous remet dans le bon sens, mais en même temps, elle va corriger les choses qui sont mauvaises en nous. Elle va nous amener à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui doit se modifier. Et c'est là qu'on commence à construire un véritable Mishkan. C'est cette sagesse qui va créer en nous le bien. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à créer le mal, vous y êtes, naturellement. Depuis la naissance, je veux dire, personne n'a appris à savoir comment faire le mal. S'il y a quelqu'un qui a été éduqué à savoir comment faire le mal, j'aimerais bien qu'il se présente. J'ai 4 enfants. Quand il a fallu les éduquer, qu'est-ce que j'ai dû leur apprendre ? Le mal. Le mal, c'était de les laisser faire dans ce qu'ils voulaient faire de mal. Pour les redresser, les corriger, les éduquer, il faut leur apprendre le bien. Le bien est difficile à pénétrer parce qu'ils ont cette tendance naturelle à aller dans le penchant mauvais, négatif, vers le mal. Et quand on veut leur mettre le bien, eh bien on leur apprend une connaissance nouvelle. On apprend à l'enfant une connaissance nouvelle, celle du bien, celle qui va équilibrer leur vie et qui va les amener à se modifier dans bien des domaines. Et si nous n'avons pas la notion de l'éducation qui se fait au travers du moussard, mais qui ne se fait pas seulement dans la théorie intellectuelle, mais dans quelque chose que l'on applique, comme il nous est souvent dit dans le livre des Proverbes ou dans la sagesse de Shlomo, il est important de savoir qu'il y a des corrections de cœur, des orientations qui doivent être prises parce qu'on doit apprendre à faire le bien. Et quand on regarde autour de soi, je dois dire que malheureusement, il y a un élément vraiment destructeur, c'est qu'on laisse faire le mal. Shaul de Tarse va même jusqu'à dire qu'ils sont devenus ingénieux au mal. Quand on voit tout ce qu'ils font aujourd'hui pour détruire la planète et les hommes et tout, ils sont vraiment ingénieux, quoi. Et on n'en a pas fini avec l'intelligence artificielle et avec beaucoup d'autres choses qui vont arriver. Et c'est pourquoi il y a quelque part des points où il faut savoir que ça ne va pas être si évident les temps futurs. Donc, ça signifie simplement qu'il faut se construire. Autrement, on ne peut pas résister.
on capitule et on suit comme un mouton. Vous savez, le Covid a été très clair. Hein, la grande masse a suivi. Et aujourd'hui, enfin, ça ne date pas seulement d'aujourd'hui, mais depuis quelque temps, tous les problèmes qui sont liés au vaccin sont en train de ressortir avec une très grande force. C'est dénoncé. Il y a plein de chances, plein de choses qui révèlent que les gens, au lieu d'être guéris, sont tombés malades. Covid-19, c'est quand même parlant. Les gens, par peur, ont suivi sans connaissance, véritablement, en grande masse, pour échapper à la mort, à la maladie. Alors, je comprends que c'était opaque, pas facile, même sur le plan professionnel. Je reconnais qu'il y avait le pour et le contre sur certains points. Mais, il y a eu un test. Et aujourd'hui, on voit que plein de gens, et c'est vrai, vous pouvez aller sur Internet, vous verrez, ça ressort de plus en plus, même si ça a tendance à vouloir être étouffé, les scandales sortent. On n'a pas à prendre position pour les autres ou sur ce que chacun veut faire pour sa vie. On peut seulement orienter, comme Dieu le fait avec nous. Alors on écoute ou on n'écoute pas. C'est un choix. Mais je dirais que justement, il y a quelque chose où on voit qu'être dirigé par la sagesse, c'est avoir une autre connaissance que celle simplement du mal. C'est la connaissance du bien. La connaissance du bien, ça va vouloir signifier profondément la manière dont on restaure l'âme de l'autre, mais aussi afin de lui montrer qu'il y a autre chose que le mal pour le mal, et de ne pas entrer dans cette loi du talion finalement, et de pouvoir véritablement dire, eh bien, comment je vais créer le bien? Car Dieu a tout fait pour le bien. Tout a été créé pour le bien, rien n'a été créé pour le mal. En même temps, c'est ce qui va transformer notre être intérieur au plus profond de nous-mêmes, et c'est ce qui va aussi approfondir notre relation avec Dieu, parce que Dieu donnera une approbation. Il n'approuve pas le mal, mais il approuve le bien. Parfois, il y a des problèmes de toutes sortes qui peuvent se produire, et souvent, la tendance naturelle, c'est de dire pourquoi. Mais parce que Dieu n'a pas approuvé le mal qui est en toi, dans ce que tu fais. Et que les choses vont, au lieu de s'améliorer, vont s'empirer. Augmenter peut-être des autres souffrances mentales, morales, affectives. Et tant qu'il n'y a pas la transformation, il y aura quelque chose qui va manquer de sa présence qui approuve l'homme et le restaure parce qu'il est dans le bien. La relation avec Dieu, c'est la tefila, et ça va passer par quelques éléments clés du Mishkan. Alors, je ne vais pas tous les développer, mais je voudrais m'arrêter sur ce qui est dans la continuité pour comprendre comment aussi il nous faut voir. C'est au travers de la menorah. La menorah avait comme but et fonction de faire rayonner la sainteté de l'Éternel et également d'éclairer le temple. Il y avait donc deux aspects qui se sont mis en place. La première, c'était effectivement d'avoir une lumière dans le temple parce qu'il y avait l'obscurité à cause des tentures, mais le but n'était pas simplement de voir où je marche, de simplement distinguer des objets, mais c'était qu'au travers de la menorah, il y ait la compréhension de la lumière, qui est une lumière de sainteté qui doit rayonner. Et c'est ce rayonnement qui donnait la particularité
de ce symbole de la menorah, qu'elle soit dans le Mishkan ou dans le temple. Elle est également un reflet spirituel. On a une lumière ou des ténèbres, on est dans l'obscurité ou on est dans la lumière. Et ceci est très important, parce que c'est également ce qui peut donner une visibilité de sa présence en nous ou pas. Des fois, quand quelqu'un s'énerve totalement, hein, trop, je ne sais pas pourquoi, mais dans presque de la violence, je vous mets au défi de me dire que celui-ci est animé de Dieu. Non. Quelqu'un qui maîtrise, qui reste ou qui se reprend, même s'il a été un peu loin, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui peut refléter la bonté de l'Éternel. Pour entrer dans la compréhension, les sept branches et les sept lampes se forment dans notre âme à l'image du corps humain. C'est-à-dire que les sages nous ont amenés à comprendre l'interprétation des sept lampes, qui sont également les sept esprits de l'Éternel, et qui nous amènent à comprendre qu'ils l'ont interprété comme aussi faisant allusion aux deux yeux, aux deux oreilles, aux deux narines et à la bouche, ce qui veut dire tout ce qui constitue une porte d'entrée. Et nous savons que dans les études que nous faisons le mardi, nous percevons qu'il y a des faiblesses en nous par les portes d'entrée. Les yeux peuvent être une porte d'entrée du bien comme du mal. Parce que dans les yeux, c'est là que va se refléter, c'est là que l'on perçoit la lumière, que l'on mémorise et qu'elle éclaire notre intérieur et qu'on a l'image. Si vous enlevez ou fermez les yeux, vous tombez dans une obscurité et vous ne distinguez rien. C'est l'image que Yeshua voulait prendre, et de celui qui marche dans la lumière au lieu de marcher dans les ténèbres, où parfois il y a beaucoup de confusion. Il faut savoir que les yeux fonctionnent en extérieur comme en interne, et que la mémoire de l'image, la mémoire visuelle, comme on l'appelle, que je ne vais pas développer maintenant, a une fonction très particulière. Parce qu'elle va nous suivre, elle va nous créer les images, pas l'émotion. Pas l'émotion. L'émotion vient ensuite. L'émotion vient ensuite, dans la transmission des données de l'image. Et il y a toujours un côté droit et un côté gauche, si vous remarquez bien. On ne va pas le développer. J'en ai un petit peu parlé mardi. Mais il nous faut comprendre que nous sommes dans une double partie. Mais à la base, à la création, nous disions que nous étions un recto verso. C'est pourquoi il y a deux. Et au travers de cela, ça veut dire que nous pouvons avoir le bon côté comme le mauvais côté, comme un cerveau droit, un cerveau gauche, et qui n'ont pas les mêmes fonctions, même si c'est dans le même lieu. Les fonctions ne sont pas du tout pareilles. Et c'est peut-être des points où il nous faut repérer, dans nos points faibles, les portes d'entrée du mal. C'est pourquoi Yeshua dira, mais il est écrit dans toute la Torah, de regarder les tzitzit, de les prendre, de les regarder, de les embrasser. Pourquoi ? Afin que tes yeux ne soient pas séduits par le mal. C'est-à-dire de regarder avec impureté quelqu'un, désirer quelqu'un, ou ce n'est pas simplement le regard, mais ce que le regard va provoquer ensuite, ce qu'il va travailler à l'intérieur et ce qu'il va amener comme action. Et je dirais que c'est pourquoi nous faisons la tfila et que nous avons aussi quelque chose qui nous rappelle la sainteté de Dieu. Parce que tout le monde peut paraître saint comme ça, mais il y en a beaucoup qui ont des films et des cinémas là-dedans. Et ils sont les scénaristes et font tout là-dedans. Je crois que nous devons comprendre aussi le sens des odeurs, qui est lié
également à des formes de discernement, les parfums, et on va le voir. C'est quelque chose de fondamental. Si nous n'avons pas certaines particularités, elles vont manquer dans beaucoup de domaines. Les oreilles, comme vous le savez, on en a beaucoup parlé. Il y a l'écoute extérieure, ce qui entre, ce qui se mémorise, ce qui influence le cœur dans la spontanéité, mais il y a l'oreille interne. Et il y a le zen, et je n'ai pas le temps de parler de tout ce que cela définit. Lorsque l'on dit que l'on écoute Dieu, c'est aussi une porte d'entrée du ciel, mais ça peut être une porte d'entrée du mal. La porte d'entrée du mal, elle vient le trois quarts du temps par la pratique que vous avez le plus couramment réussi en tout examen, c'est le Lachonara. Celui-là, cet examen, vous ne l'avez jamais raté. Alors là, jamais, 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 le Lachonara, 100% réussi. Ne me force pas à faire ça. Pour montrer la réalité, tout simplement. Qu'est-ce que vous écoutez? C'est une porte d'entrée. Qui vous écoutez? Et qu'écoutez-vous encore d'autre? Ça peut être de la musique, ça peut être ça, ça, ça. Des zones d'influence. Parce que la mémoire auditive, elle crée la personnalité. C'est dans la mémoire auditive qu'on a le rejet ou pas, qu'on a la conscience de l'amour ou pas. C'est dans ce qui est dit. C'est pourquoi les Daber, quand Dieu parle, quand Dieu dit Mahamar, et qu'on écoute les Mahamar divins, alors à ce moment-là, on écoute la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va nous construire. Elle va nous redonner une structure de personnalité. Et c'est pourquoi il nous est dit que le souverain sacrificateur devait avoir l'huile sur l'oreille, sur le pouce et l'orteil, sur les trois parties du corps, de ce qui forme tout. Et je dirais que l'écoute doit être sanctifiée. Ne pas écouter n'importe qui ni n'importe quoi et se préserver. C'est fermer la porte au mal. Or, on est trop attentif dès qu'il y a un petit ragot, hein. Les gens, ils se précipitent. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Oh. Après, il va le colporter, puis ce qui faisait 2 minutes devient 10 minutes. Et l'autre l'entend à nouveau, de 10, on passe à 20 minutes. Même 1 heure. Et il y en a qui se délèvent, qui prennent le thé en même temps, le café. Mais parler du bien, ou parler en bien de quelqu'un, ça... Il est bien, mais... Et vous comprenez que Louis donne le parler. Louis donne le parler. C'est ce que Yeshua dit. Ce n'est pas ce qui rentre par la bouche que vous avez compris comme de la bouffe. C'est ce qui rentre par l'oreille, ce qui rentre dans l'écoute de l'oreille interne qui va donner une mémoire auditive pour créer la personnalité. Et à partir de là, si j'ai écouté l'amertume et si je deviens moi-même amer, je ne vais pas sortir une parole d'amour. Je vais sortir une parole qui va agresser. Je vais sortir une parole mauvaise. Je vais faire tout un tas de choses. Et c'est comme ça que les gens se construisent dans leur personnalité. Les yeux, l'oreille, la bouche, le parler, les narines, parce qu'il y a une mauvaise odeur, une odeur de mort. Mais je suis obligé d'aller plus loin. Cette menorah avait le but de faire rayonner la sainteté du temple. C'est ce que nous avons compris au travers de cette lumière spirituelle. Quand Dieu nous éclaire, quand nous sommes dans la lumière d'en haut, dans la lumière divine de la création, elle n'a pas de variation, elle est pleine, elle est pure. Alors, le deuxième point là-dessus, c'est que le but véritable, c'est qu'il n'y ait pas qu'une lumière, mais que la lumière soit dans un récipient
donc qu'il y ait un contenant de la lumière, devenir un contenant de la lumière, un récipient. Et il nous est dit à propos de Yeshua qu'il est la lumière de la vie. Et vous allez comprendre que si vous êtes dans cette véritable lumière, alors à ce moment-là, c'est la lumière de la vie et non de la mort. Ce n'est pas la lumière philosophique, ce n'est pas la lumière qui brille par l'intelligence, par le raisonnement, par tout ce qui a supplanté la lumière de la vie et l'enseignement qui donne la lumière de vie. Et c'est pourquoi c'est important même dans ce que l'on lit. Il y a des ouvrages et des images qui ne sont pas à regarder. Elles forment une mémoire. Et après, les gens s'étonnent qu'ils sont détraqués. Ça veut dire que la lumière doit se revêtir dans un récipient. Et ce récipient de lumière, vous savez, en hébreu, on est très clair, il rejoint obligatoirement ce qu'on appelle l'émouna au travers de la confiance. Au travers de la confiance. Et c'est ça l'émouna. C'est ça l'émouna. C'est la confiance. Il y a des gens, ils ont toujours la trouille, ils ont toujours peur, ils ont toujours quelque chose où ils n'ont jamais confiance, où ils ont toujours le doute. Oh là là ! Vous savez, j'ai bientôt 64 ans, enfin bientôt, oui. Et c'est énervant de voir que les gens ne fonctionnent que comme ça. Alors ils ont besoin tous les dimanches, pour ceux qui vont ailleurs, le message qui remonte la pendule pendant 2-3 jours, t'es vainqueur, t'as vaincu, t'es au-dessus. Ok, marche dans la confiance et tu verras d'autres choses. Et ceci, en hébreu, nous donne quelque chose de très particulier parce que ça nous donne une autre vision de nous-mêmes. Vous voyez, vous avez une vision du monde, une vision des autres, mais il y a la vision de soi-même. Et la vision de soi-même, si on est vraiment dans cette lumière de la vie, dans cette confiance en Dieu, au travers de toutes ces paroles et de tout ce que l'on applique, alors elle nous montre et on voit que l'on peut tout accomplir, que l'on peut tout faire, tout réaliser. Parce que cette lumière est une force et une énergie supérieure aux ténèbres. Et comme vous le savez, les ténèbres ne prennent place que dans l'absence de lumière. Quand la lumière est, les ténèbres ne sont pas. C'est une loi. C'est une loi. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une loi. Vous éteignez, les ténèbres couvrent. Vous allumez, il n'y a plus d'obscurité. C'est aussi simple que ça. Mais pas si facile que ça à vivre. Elle est une énergie supérieure, c'est une force. Et nous savons que c'est quelque chose de très important parce qu'elle nous démontre finalement, au travers même de l'enseignement de Yeshua en Mashiach, qu'elle peut tout vaincre et peu importe les difficultés. Alors il y a ceux qui la reçoivent, cette lumière, et ceux qui ne la reçoivent pas. Voilà ce que nous dit Yohanan dans le chapitre 1. Elle est venue. Elle a habité, mais certains ne l'ont pas reçue. Pourquoi ? Pourquoi ils ne l'ont pas reçue ? Parce que leurs œuvres, ce n'est pas qu'ils étaient méchants eux-mêmes, mais leurs œuvres étaient mauvaises. Et parce que les œuvres sont mauvaises, alors on n'en veut pas. Et on veut se débrouiller tout seul, et on va faire autre chose, et on crée des religions, des doctrines, et on va créer des nouvelles formes, et on va commencer à sortir des nouveaux trucs. Et c'est ça qui amène les hommes dans les ténèbres. Ils ont perdu le sens, je dirais, de l'enseignement qui donne le chemin. Alors, lorsque nous avons la compréhension d'un concept, c'est ce qui a été éclairé. Quand je comprends la Torah qui m'éclaire, moi je jubile. Je jubile. Je jubile. Vous non. Peut-être pas. Peut-être que oui. Je ne sais pas. Mais ça doit nous faire bondir. Parce que ça provoque en nous quelque chose. Si ça ne provoque pas d'effet, il faut se poser des questions, bien-aimés. Alors, il y a quelque chose qu'il nous faut dire, parce que souvent on dit « je vois ». Quand quelqu'un parle, on dit « je vois ». Vous avez entendu ça ?
Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais qu'est-ce que tu as vu? Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'image visible. Il n'y a pas d'image. Tu dis « je vois ». Mais tu vois quoi? En fait, tu devrais dire « oui, j'ai bien entendu ». Tu devrais dire « oui, j'ai bien capté ce que tu veux dire ». Mais je vois quoi? Et c'est voir les paroles. Et si vous comprenez bien le message de la Torah, ils entendirent les voix. Et quand on entend la voix de Dieu, c'est très différent. Alors, il n'y a pas d'image visible, c'est clair, mais c'est quelque chose qui se crée dans son intérieur. Alors, c'est maintenant à nous de découvrir ce qui donnera une lumière de vie à notre âme. Et ceci passe inexorablement par la Torah et l'enseignement de Mashiach. Le deuxième point, qui sera notre conclusion, c'est celui également de comprendre comment les choses se sont construites. Et là, il a été parlé dans Bayakel, Pekoudé, de l'autel. Et l'autel, c'est aussi un autel intérieur. Qu'est-ce que, dans le Mishkan, hein, bien entendu, il y avait un autel intérieur qui servait à l'offrande de l'encens. Le parfum, comme je vous l'ai dit, le parfum, il y avait une odeur. Alors, n'allez pas imaginer que l'Éternel a des narines. Il n'est pas dans l'image d'un corps humain. Il n'est pas du tout corporel. Mais nous devons comprendre le sens, le symbole. Ça servait à deux choses, l'offrande et l'encens. On aime le « donnez-moi, donnez-moi », mais on n'aime pas « je donne ». Quand je donne, c'est... Il y a des rhumatismes. L'offrande de l'encens, le parfum de l'encens s'imprégnait totalement dans les murs du temple. Ce n'est pas simplement comme aujourd'hui Brise, hein, ou comment il s'appelle lui, Fébraise. Ça dure une heure et encore. Et après, eh bien, les odeurs reviennent. Là, une odeur permanente dans la même odeur. Quelque chose où l'odeur ne change pas. Et vous allez voir. Et ça a imprégné les murs tellement que c'était puissant comme parfum. Vous pouvez sentir les murs, peut-être vous sentirez encore la peinture, mais ce n'est pas sûr. Ça s'imprègne. Et ceci nous amène à comprendre que c'est un parfum qui doit demeurer. Et dans notre autel intérieur, nous devons le construire parce que c'est un lieu. Il devrait être imprégné du parfum du Messie. Ce parfum, en fait, les sages lui ont donné un nom. Quand quelqu'un a un parfum, c'est qu'il est amour. C'est qu'il a l'amour. Il dégage quelque chose qui parfume, qui imprègne tout l'environnement, c'est l'amour. Quelqu'un qui a la haine, tu te tires. C'est clair, quelqu'un qui est agressif, tu n'as pas envie de marcher 5 minutes de plus avec lui. Quelqu'un qui t'enguirlande tout le temps, tu n'as pas envie de cheminer avec lui. Mais regardez, quand quelqu'un, n'importe qui, quand quelqu'un sent l'amour, il lui court après. Il lui court après, il s'attache. Et il imprègne. Et on doit imprégner d'un parfum de vie, le parfum de cette relation qu'on a avec Dieu, c'est le sens profond. Nos sages ont été très intelligents de dire qu'il est celui de l'amour, et en même temps, pour nous, qui avons été un peu plus loin que sur d'autres plans, l'amour de Mashiach. Qui a compris l'amour de Mashiach? Vous savez, je sais, sans voir tout le monde, hein, au-delà de nous, mais que beaucoup n'ont pas compris l'amour de Dieu dans leur vie. Ils ont compris des fonctionnements, ils ont compris des machins, ils ont compris des trucs et astuces, des trucs à lire, des trucs... Mais ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Parce que s'ils avaient l'amour de Dieu, ils seraient guéris.
Et je peux dire que c'est une rencontre, l'amour. Ce n'est pas simplement un sentiment émotionnel, affectif, où nous-mêmes on détermine la manière ou le degré d'amour que... Non. Et là, c'est quelque chose qui nous surpasse. Parce qu'il devrait totalement imprégner toutes les parties et même tous les fonctionnements de notre âme. Et je crois que c'est là aussi l'un des bas qui blesse, c'est ce manque d'amour. Ce manque d'amour dont il faut parler de temps en temps. Il y a des gens qui pensent que c'est obsolète et qu'on n'a qu'à manifester ce que finalement on est. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'encens et ce qui va avec, c'est que c'est le symbole de la prière qui a un parfum devant Dieu. Il y a une odeur de l'âme devant le Seigneur. Il nous est dit dans les Tehillim au 141, verset 2, il nous est dit que ma prière soit devant ta face. Écoutez bien. Que ma prière soit devant ta face et pas simplement je prie pour avoir une réponse. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains, comme l'offrande du soir. Que ma prière vienne devant toi comme l'encens. Alors, si on le traduit au travers de « que ma prière soit devant ta face », qu'est-ce que ça veut dire « devant ta face » ? Il dit « que ma prière soit panim al panim », face à face, mais on va aller plus loin. Alors, il s'agit aussi de traduire non plus « panim al panim », mais « panim les panim », »,« panim les panim », et « panim les panim », ça veut dire « face vers face ». C'est-à-dire que c'est une pluralité de tout ce qui nous constitue dans tout ce qui constitue les attributs divins. Et à partir de là, nous faisons une rencontre totalement différente. Nous avons quelque chose qui se modifie. Ce n'est pas simplement moi qui veux voir quelque chose, mais c'est que je tourne ma face. Il y a un mouvement. Panim, les panim. Alors en même temps, ça nous amène à quelque chose qui s'approfondit dans un certain sens parce qu'on doit devenir panim bépanim. Panim bépanim, face en face, echad. Et là, il n'y a plus divergence d'opinion, une seule chose. Alors, panim, quand on veut l'étudier dans l'hébreu, on va comprendre sa construction. Parce que dans sa construction, il est lié à pné, ce qui veut dire à l'intérieur, dans la profondeur. Pné, c'est à l'intérieur, dans la profondeur. Il nous est dit dans Bereshit, au chapitre 1 et au verset 2, que l'esprit planait sur la face des eaux. Littéralement, on lit en hébreu, al pné teom, ce qui veut dire envahissant de partout, extérieur comme intérieur. D'où la compréhension que l'on doit avoir de Al Pne Maïm de Genèse 1-2, l'Esprit de Dieu planait de partout dehors comme dedans, et pas seulement sur une surface. Quelque chose de totalement révolutionnaire, différent. Panim les panim, face vers face, doit être compris comme étant le sens le plus profond de l'intimité, l'extérieur et le dedans. Quand même nous parlons de Ruach HaKodesh, vous parlez de quoi exactement? Vous parlez de quoi? Mais c'est vrai, on parle de quoi? Quelque chose qui nous visite et qui s'en va? Adieu, à la semaine prochaine? On parle de quoi? Et on lui a donné des sens qu'il n'a pas. Et on lui a donné une activité qu'il n'a pas et qu'on devrait avoir. Parce que, justement, c'est de pénétrer toutes les fibres de notre être à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire autant le comportement extérieur que le comportement intérieur. Il doit y avoir un reflet, il doit y avoir une action, une cohérence, une coordination. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à un moment donné, il nous faut comprendre que on peut tomber dans le sens des maladies mentales, affectives, émotionnelles,
spirituelle, physique. Il peut y avoir des répercussions. Et les gens ne sont pas conscients des dysfonctionnements parce qu'ils sont tellement branchés sur quelque chose qu'ils oublient qu'il y a l'autre côté et que l'Éternel est Adonai Rophéa, l'Éternel, notre guérisseur, notre médecin, littéralement. Il est celui qui nous donne aussi, non pas des antidotes, mais tous les conseils de la Torah, tout ce qui est dit par rapport au bien, c'est pour nous éviter d'être dans le mal, mais aussi le mal qui contient le terme maladie. Et maladie donne souffrance. Souffrance, ce n'est pas une maladie. Souffrance, ce n'est pas une maladie. Mais c'est quelque chose qui exprime le dysfonctionnement insupportable à un moment donné. Suivre la Torah, marcher, va rétablir les fonctions. Ah là là. Parce que comme je l'ai dit, et mardi je l'ai dit également, tout est en rapport avec chaque dimension de notre corps, de la Torah. N'appliquez pas, rassemblez pas, et vous verrez les dysfonctionnements. Il faut savoir que les organes sont touchés aussi. Alors, ce n'est pas systématiquement à 100% pour tout le monde, de manière de, comme si c'était une science super fiable. Il peut y avoir des conséquences héréditaires, il peut y avoir, mais il nous faut rétablir. Alors, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens malades, mais pas seulement dans le corps, dans la tête. Il y a de plus en plus de malades de détraqués mentaux, de pervers. Il y a de plus en plus de gens qui sont complètement, même très jeunes, meurtriers aujourd'hui. Moi, je peux dire qu'à mon époque, ça n'existait pas comme ça. Aujourd'hui, à 11, 12, 13 ans, non mais attends, qui leur a mis ces idées du mal, là ? A tué même les professeurs. Ouais, moi, une fois, j'ai foutu un coup de poing à 14 ans à un prof, mais bon. Et il me cassait les pieds. Et... mais ce n'était pas tous les jours. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, c'est le couteau, c'est la menace, c'est les parents qui viennent encore frapper. Il y a un inversement. Alors, panim les panim, face vers face, doit être aussi une relation intime. Et ça veut dire, en hébreu, l'intériorisation du message. L'intériorisation du message. Dans une transmission directe. C'est le sens de l'encens. Le parfum qui s'imprègne ou qui imprègne le dehors et le dedans. Alors, je ne vais pas vous garder plus loin. Il y aurait normalement encore trois éléments à voir. Mais je voudrais dire que, voilà, ça fait plus de 25 ans que je suis là. C'est pas rien. Ça fait plus de 40 ans que je sers Yeshua Mashiach. C'est pas rien. Et au travers de tout ce que j'ai pu voir, j'en ai retiré, comme le roi Shlomo, des leçons de la vie. J'ai vu fonctionner, j'ai vu des fonctionnements, j'ai vu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous voulons bâtir quelque chose de différent. Alors c'est pourquoi il y a un appel solennel que je veux faire. Les sages de cœur, ils sont où ? Ce n'est pas Moïse qui a construit le Mishkan. Il a enseigné. Il a communiqué les lois, les commandements, les applications. Mais la construction, elle appartenait à Oliav et Betzalel. Peut-être que je vous donnerai l'étude de Betzalel, parce qu'elle est d'une grandeur. Et elle révèle des choses que beaucoup n'imaginent pas. Il nous faut aller dans cette profondeur des sages de cœur. Ils sont nécessaires, pas des gens qui ont simplement du bon cœur, qui ont des bonnes intentions. Ça, j'en ai connu beaucoup.
les personnes en qui l'Éternel va faire confiance. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. C'est dans le saint nom que nous nous approchons de toi, afin que tu bouleverses nos cœurs et nos vies devant ta face. Que ce ne soit pas simplement, Seigneur, des personnes réunies dans une religion religieuse, mais qu'il y ait un esprit de vie. Que ta Ruach HaKodesh imprègne réellement les vies, afin de bâtir Malchut, afin de bâtir ton royaume, afin de connaître ce que nous devons faire pour ce royaume. Éternel, que ta main se pose sur le présent et le futur, en Yeshua Mashiach. Amen et Amen.